quel est ce son? C'est une nouveauté. Est-ce que vous arrivez à deviner? Voilà! Alors, j'étais chercher des grillons pour les geckos. Parce que les vers afférents ne sont pas assez âgés encore pour être mangés. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment placer vos grillons pour leur permettre une meilleure survie. Là, ils viennent juste d'arriver du magasin. Ils sont emballés. Il ne faut pas les laisser longtemps dans le sac parce qu'il n'y a pas d'air là-dedans. Les insectes, ça a quand même besoin d'air. Donc, j'ai été me chercher un petit pot de même. Mais on peut prendre aussi un pot bien ordinaire pour la nourriture. Je dirais pas un pot de margarine ou un pot qui n'émet pas de pollution, là, comme un Tupperware ou quelque chose. Vous faites des trous. Puis vous pouvez les mettre dedans. Mais là, lui, tu vois, ça se vend pas très cher. De à peu près 5 à 12 $, vous pourriez en avoir un. Ça, c'est un petit modèle. Il y a déjà les cracks dessus. Il est transparent, vous pouvez voir ce qui se passe. Puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut mettre dedans pour que vos grillons soient bien. Puis ensuite, je vais vous montrer des nouveaux poissons pour l'aquarium que j'ai été chercher. Comment les mettre en quarantaine. Puis j'ai fait une petite erreur dans l'autre émission sur les goobies. Donc, les goobies... pourquoi tu montres les geckos? Les goobies, j'ai dit qu'on pouvait mettre des bêtas dedans. Absolument pas. C'est pas des bêtas. Il ne faut vraiment pas mettre des bêtas avec les goobies. Dans le fond, je voulais dire des platys. Tu as des platys et tout ce qu'il y a dans la famille des platys. C'est-à-dire les autres poissons ovovivipares avec des gonopodes et qui accouchent sans faire d'œufs. Eux, on peut les mettre avec les goobies. Donc là-dedans, on a les chevaliers, on a les chevaliers, les platys, les mollies. On a des mollies à voile. Et s'il y a d'autres noms, là, mais c'est tout de la même famille. Donc là, ce que j'ai acheté, c'est deux platys ou mollies. Deux platys, des platys demi-lune. Ils ont la queue en demi-lune. Et ils sont, la couleur est vraiment très originale. C'est la première fois que je voyais cette couleur-là. Alors, j'ai dit, il m'en faut. Puis en même temps, je vais vous montrer ce que c'est. Puis la différence, un bêta, là, c'est un bêta, c'est un poisson très combattant. Alors, les bêtas, les mâles sont toujours tout seuls et mis à part dans des petits aquariums. Et ils aiment les petits territoires bêta, mais c'est d'autres choses, le bêta. Moi, je voulais parler du goobi. Fait qu'on va rester concentré sur le goobi, les geckos et les grillons. Alors là, je vais aller chercher le matériel nécessaire pour que les grillons soient heureux. Et je vais vous montrer ça. Alors, j'ai été chercher ce qu'on a de besoin. J'ai été me chercher en même temps quelque chose à boire. Je vais le tasser pour ne pas faire de publicité. Et ça fait rire mon caméraman. Alors, on a notre contenant à insectes. C'est bon pour bien les sortes d'insectes, je dirais toutes les sortes. À part ceux qui mangent le plastique. Où il y a des insectes qui mangent le plastique. Alors, on a ici, là, j'ai pris, ça peut être n'importe quel contenant, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau stagnante. Parce que moindrement qu'il va y avoir un petit peu d'eau, ils vont aller se noyer là-dedans. Je l'ai testé, je l'ai vu, un petit bouchon avec un petit peu d'eau, ils vont aller se noyer. Ils vont boire, en suçant. Fait que là, j'ai mis un coton pour faire des pansements. Il est propre et stérile. Je l'ai trempé. Il n'est pas trop trempé non plus, mais assez pour qu'en contouche, on se mouille le doigt. Je le mets dans le coquillage ici. Ça, c'est la partie pour boire. Alors, ça, quand c'est sec, on le prend. On le met au-dessus de l'eau propre ou de l'eau distillée ou de l'eau, ce que vous voulez, mais de l'eau fraîche et potable. Et on le remet là. Nourriture, c'est tellement archi simple la nourriture. Alors, n'importe quoi, légumes, pain, évidemment pas de produits chimiques, là, mais tout ce qui est légumes, ou même pissenlit, ou du beau foin dehors, du trèfle, quand c'est l'été. Là, l'hiver, nous autres, on a de la neige partout, fait que j'ai mis du maïs. C'est sûr que du maïs et des grillons, c'est parfait, là. Des carottes,
Chou-fleur, c'est un test. J'ai jamais donné ça avant, mais ça peut faire des odeurs de chou-fleur. Fait que voilà, carottes, maïs, excellent. Comme fond, on pourrait mettre du journal. On peut mettre des essuie-tout. Eux, ils vont aller se cacher autour de ça. Ils vont pondre là-dessus. On peut mettre aussi encore mieux, c'est du papier à œufs. Ben, moi, j'ai pas deux. Du carton à œufs. Carton à œufs, ça lui fait des cachettes. Et je vais ajouter du germe de blé. Je l'ai mis à quelque part ici. Attention. Alors, ici, j'ai un restant de germe de blé qui était à des superworms. Il n'y a pas de maladie dedans, là, c'était des superworms en très bonne santé. Ça fait pas longtemps, ça fait juste quelques jours. Je vais prendre ce fond-là. J'avais ajouté aussi du gruau. Alors, le gruau, les flocons de blé, ça, c'est du germe de blé ou du flocon de blé ou du flocon d'avoine. Ça fait un très bon fond pour la plupart des insectes, dont les vers à farine aussi, les superworms. Fait que ça lui fait une nourriture sèche, puis en même temps, un endroit pour que les bébés vont aller se cacher. Puis ça, on a juste à le jeter quand ça pue, puis on en mettre d'autres. Faut changer ça au moins une fois par semaine. Puis les vers à farine, je vais vous expliquer que. Je vais faire un autre épisode pour ça, parce qu'il y a des petits détails quand même importants quand on élève le fer à farine. Ça, c'est pas un gros élevage, là. Dans le fond, c'est juste pour dépanner. Fait que là, on a un fond. Les grillons sont à veille de chanter, là. La nuit, on l'entend un. Regarde, Tangerine est sortie. Regardez là, là, c'est le temps, on la voit. La vois-tu bien? Ma belle tangerine avec une carotelle. La queue est complètement orange, c'est pour ça que je l'adore. OK. Là, alors cachette. Eux, sont toujours cachés. C'est des grillons, donc c'est des animaux, des insectes nocturnes. Ils vont aller se cacher dans le rouleau de papier de toilette. Puis souvent, ils se reproduisent là-dedans, en cachette. Le petit coton. Les légumes. Et là, on a juste 25 grillons. Fait que ça, c'est convenable pour 25 grillons. Mais si on fait un élevage, un gros élevage de 50, 100, ben, on pourrait aller chercher, par exemple, un bac à tortue. Ou un bac à rangement qu'on fait des trous dedans. Alors, les fameux. Là, c'est des sortir sans qu'ils sautent. Parce qu'évidemment, ça saute. Je regarde voir s'ils peuvent pas sortir par ici. Non, c'est correct. Je vais en donner aussi à mes geckos pour les nourrir. Ils sont pas fous, là. Ils sont tous sortis via attendre. Ils sont à veille de perdre patience. Ils entendent ça, là, ce merveilleux son appétissant. Les geckos, eux, ont des très, très bonnes oreilles. Moindrement qu'on joue avec les insectes, ils savent. Là. Normalement, quand ils sont bien, ils sautent pas, mais là, ça se peut qu'ils essayent de s'évader. Là-dedans, je n'ai juste un. C'est une femelle. Tiens. Alors, comment les prendre? Là, il y a la question. Il n'y en a plus. Bon, j'ai toujours pas ma baguette chinoise. Là, ça pue dans ce sac-là. Là-dedans, ça va moins puer que d'un sac en plastique. J'ai toujours pas ma baguette chinoise, mais normalement, avec une baguette chinoise, ça va bien. Je vais essayer de les prendre. Il faut aller vite. Ah, oh ben lui, il mange. On va le laisser manger. Hop. Ça se peut qu'il y ait une patte qui part, là. Mais habituellement, si je casse une patte, je ramasse celui qui a la patte cassée. C'est une grosse femelle. C'est un mâle. Les femelles, c'est celles qui ont le bout de la queue en tube. C'est pour pondre le tube. Alors ici, j'ai pogné un mâle. Faut que je me dépêche parce qu'il va se casser ses pattes pour s'évader. Et je vais le donner à Coco, celui qui est blessé. Vas-y, Coco. Oh! Il va l'attraper. Voilà. Ah, Coco, il va être content, là. Le prochain va être pour Pupus. Il a fallu que je mette les graines aussi du sac parce que ça se peut qu'il ait pondu. Il est en pleine reproduction dans le sac. Ce n'est pas trop difficile, hein? Ah, je ne l'ai pas. Je
sais pas si on me voit bien, essayer de les prendre. C'est pas évident. Ça, il y a des pinces qui se vendent pour ça, mais moi je me dis qu'on n'a pas besoin d'acheter du matériel spécialisé, là. C'est complètement inutile. Il y a plein de trucs. Hop! Hey! Ici! Ah, ils sont tous dans le. Regardez! Regardez comment ça fonctionne le carton avec eux. Regardez ça. Fait que. Un rouleau de papier de toilette, vous pouvez en mettre plusieurs à côté de l'autre. Ou des cartons à œufs que vous mettez un par-dessus l'autre. Ça fait des étages, ça lui fait des compartiments. Là, pour 25, on voit qu'un rouleau de papier de toilette, c'est suffisant. Et là, j'ai besoin d'espace pour mes bras. Là, j'en ai pas gros. Hey là! Ah! Non. Il va me sauter d'en face. Hip! Hip! Ah! Il est pogné par la tête! Alors, pupus! Ton lunch, cocotte! Et voilà! Et maintenant, Tangerine, elle est partie se cacher. Elle était sortie tantôt, elle est retournée se cacher parce qu'on l'a pris. Fait que là, il est frustré. Mais c'est bon de prendre les GECO régulièrement. On va ouvrir la porte, on va mettre le grillon. On peut les en donner tant qu'ils ont faim, là. Là, c'est juste parce que je vais en mettre d'autres tantôt, là. Là, je vais juste vite fait. Et c'est... Je commence à avoir mal dans le dos. Ah! Voilà. Hop là! Je voyais, je ne l'ai pas blessé, là. Il est en pleine forme. Ah! Non. Hé! Yeah! C'est une vraie pêche. Yep! Voilà. On referme la porte. Là, ça s'évade. Puis quand ça s'évade, ben, Géco essaie de s'évader lui aussi pour le récupérer. Dans eux, je vais en mettre un peu plus. Je vais pogner juste le rouleau. Attention. Fait que là, oh, je viens d'échapper un ici. Alors, tout ce qu'on a à faire, ça, c'est un petit passoire pour jouer dans le sable pour les enfants. C'est bon en masse. Fait que j'ai juste à tamiser pour aller enlever les crottes. Ça tient les lieux propres. Voilà pour les crottes. Et là, je vais mettre pause parce que je vais essayer de les enlever un peu le grillon avant que ça s'évade parce qu'il n'y a pas de toiture là-dessus. Alors, pour ceux qui veulent des nouvelles de Coco pour sa blessure, guérit bien. Tantôt, je vais lui donner un petit bain. Pour éviter les infections, je mets un peu d'huile essentielle de Melaleuca dans son eau. Puis on peut mettre aussi de la vaseline sur sa plaie ou du polysporin. T'es sérieux? Eh, ok. Phew. Fait qu'on a récupéré des grillons parce que en tenant le rouleau de papier de toilette, je pensais absolument que ça grippe. Puis on secoue un petit peu, on en tombe 3-4, mais là, il n'avait trop de tombées. Fait que, ils ont mangé comme des petits cochons. Ils sont bons pour un bout. Il est beau. Regardez sa belle queue avec du orange. Ça, les Géco, ben, c'est rare qu'ils ont la queue orange. Bon, ils vont aller, c'est... Les grillons commencent à vouloir chanter. Fait qu'il n'y ait pas de lumière, ils vont chanter. Fait que c'est ça. Ah, Tangerine qui est sortie. Alors, ils ont un tapis chauffant en dessous. Un grand tapis chauffant qui va entre les deux bassins. C'est pour ça que le lit est ici, puis que son lit à elle est ici. Fait qu'ils sont couchés sur le tapis chauffant, juste au-dessus. Fait qu'ils sont très bien, là, ils n'ont pas froid. Regardez comment elle est belle!
Hein, cocotte, t'es béale. OK. On va aller maintenant s'occuper des poissons. Alors, voici mes nouveautés. Oh, ça a coulé. Ça l'a coulé. Merde. Encore des dégâts. Les animaux, ça vient pas sans dégâts. Alors, on voit ici un platy ou un molly. C'est quasiment la même affaire. Avec le mâle ici, demi-lune. Il a l'air albinos parce qu'il a les yeux rouges, mais en même temps, il a il est brun avec des picots noirs. Enfin, je le trouvais vraiment spécial. Et puis ici, c'est un animal que je ne connaissais pas, qui a un nom à coucher dehors, que je ne connais pas encore par cœur, mais elle me l'a dit le nom. Pleco, c'est un pleco, une variété de pleco, qui est plat et qui ressemble un petit peu à une raie, parce qu'il est vraiment plat. Puis, au lieu d'avoir une suce, il a une bouche à l'avant comme un poisson-chat. Et puis il reste. Comme ça, comme une sèche ou une. Il est spécial. Je ne sais pas s'il va venir gros. Je vais aller m'instruire aussi parce que, écoute, c'est une nouveauté. Je vais aller m'instruire comment m'en occuper, mais il y a beaucoup de caca dans le fond de notre aquarium. Puis en attendant d'avoir un petit aspirateur pour ça, ben, je vais tester, voir si lui, ça fait son affaire. Ça devrait l'intéresser parce que c'est rendu en vase, là. Et puis. Quand on reçoit des nouveaux poissons, l'idéal c'est de les mettre en quarantaine, mais aussi de les soigner. Parce qu'il y a toujours des maladies. Puis, ils ont de l'antibiotique dans leur eau quand on les reçoit. Puis, l'antibiotique, ça rend les poissons faibles. Nous, il n'y a pas d'antibiotique dans le mien, mon aquarium. Il n'est pas stérile, mon aquarium. Mais il n'y a pas de maladie dedans parce que mes poissons sont tough. Les autres sont faibles. Et donc, il faut considérer qu'ils sont faibles. Et. Qui ont des potentielles maladies quand même. Parce que j'ai vu que des picots blancs, il peut avoir des poutres de nageoire, c'est très, très fréquent, surtout les picots blancs. Et voici comment je les prends. Une fois qu'ils sont acclimatisés, à température ambiante, direct dans l'eau, je ne prends pas cette eau-là. Jamais, 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 jamais. Direct dans l'eau. Cette eau-là, l'eau où je les mets, c'est. Oups, j'ai failli échapper le sac. Et à mon petit plat. Lui, il n'avait pas l'air en fort fort. Merci. Alors, voilà. Alors, on jette l'eau. Hop. C'est pas bon. On peut se laver les mains. Il faut considérer que cette eau-là est infectée. On la considère infectée en partant. Faut pas se fier. Ce qu'on a vu au visuel dans l'aquarium du magasin ou même d'un particulier. Alors, ici, ce que j'ai fait. Il y a l'huile essentielle de Melaleuca, qui est aussi appelée arbre à thé. L'arbre à thé, c'est un soin de base qui va être utilisé aussi en animalerie, qui m'avait déjà été conseillé. On les voit bien comme ça. Ça m'avait déjà été conseillé parce que ça élimine les points blancs et la pourriture des nageoires. Ça va carrément l'éliminer. C'est vrai. C'est un antibiotique naturel qui ne va pas réduire les anticorps des poissons. Ça va plutôt le renforcer. Et donc, cette huile-là, il n'y en a vraiment pas gros. Il y a juste une goutte. Pas plus que ça. Puis ça, déjà, je l'ai déjà dilué. C'est une huile essentielle qui est diluée dans l'huile minérale. Et. Alors, les petits bonhommes, ils vont rester là pendant un bout. Je les laisserai pas. Bon, ma quarantaine, elle durera pas longtemps. Parce que je mets un traitement assez fort. Mais l'idéal, c'est de les mettre dans un bac avec de l'oxygène, puis de les garder une semaine. Si vous n'avez pas d'huile essentielle. Mais moi, comme je fais ça très rapide, là. Ils vont passer plusieurs jours là-dedans. Je les mets 4-5 heures. Et une fois qu'il y en aurait probablement sur toutes leurs écailles, je vais aller faire rejoindre les autres poissons. Pas plus long que ça. Puis si jamais j'ai une infection dans l'aquarium, je vais mettre de l'huile de Melaleuca aussi. On voit-tu le pleco bizarre? Parce qu'il est toujours au fond. Hein. Tu le vois-tu? OK. Je sais pas si on voit, sa bouche est en avant. Il est comme une feuille. Il a les mêmes couleurs qu'une feuille morte.
Il est très spécial, très intéressant à observer. Alors, sur ces images, je vais vous remercier d'avoir écouté ce petit tutoriel quoi faire avec des nouveaux arrivants pour l'aquarium, les goubis et la nourriture des geckos, les grillons. C'est un complément, je dirais, qui complète le dernier épisode que j'avais fait. Fait que ça vous montre en image les choses que j'ai discutées. Ça corrige en état l'erreur d'état, la pas du tout.